À quel Gérard sous hélium appartient cette voix? Ok, donc je m'explique parce que là c'est vraiment pas clair. Ils sont mis à 8 pour trouver le jeu. Ok. Nous on a donc des questions. Vous connaissez de... les auteurs, ça. Vous connaissez le principe de l'hélium? Oui. On met un peu d'hélium, on avale. Et puis ça fait une voix comme ça. Hein, ça, on a l'habitude, on sait que ça fait des voix bizarres. Voilà. Les enfants, ne faites pas ça parce que c'est très très mauvais. Ça nique les cordes vocales. Mais vous allez entendre une voix sous hélium qui énonce des noms de Gérard. L'un de ces Gérard est le propriétaire de cette voix. S. A. Gérard Jugnot. B. Gérard Lenormand. C. Gérard Depardieu. Ou D. Gérardine Nakache. On est vraiment en train de jouer à ça. Je pense pas que ce soit... C'est la même personne qui a prononcé tous ces noms de Gérard. Mmh. Ah, d'accord. Faut savoir qui est cette personne. En fait. Ok, d'accord. Par déduction, c'est pas le Normand, parce que, bon, voilà... C'est... Par déduction de quoi? C'est quoi ta déduction? Vas-y, je voudrais comprendre. Ton chemin. L'autre, il est pas là, de par Dieu, je pense pas non plus. Je serais tenté, parce que c'est drôle, mais je pense pas que ce soit Gérardine Nakache. Donc je serais plutôt tenté de dire Jugnot, moi, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il fait un peu partie de la famille, tu vois, Burger, comme ça, alors, le Normand... Alors. Non, mais... Attendons. Ah. Moi, je suis un peu... Qu'est-ce que tu en penses? J'ai le même raisonnement. Toi qui nous a aidés jusqu'à maintenant. J'ai le même raisonnement. Mais je ne sais pas s'il est bon. Bon, alors, mais oui, je suis partie sur Jugnot aussi. On va dire Jugnot, là. A, Jugnot. Alors, voyons la réponse en image. Gérard Jugnot. Bah, putain, je l'ai dit. Mais elle s'appelle Géraldine. Je t'ai dit, tu vois. Elle s'appelle pas Gérard. Mais je t'ai dit. J'ai dit dans le délire, Géraldine. Oui. Ah, vous pensiez que c'était une blague? Mais non, mais bien sûr. Gérard Lenormand, Gérard Depardieu, Gérardine Nakache. C'est Gérardine Nakache.